Bonsoir, le soleil s'est largement imposé ce dimanche, mais les températures continuent de baisser. Le temps sera calme et souvent ensoleillé pour ce lundi matin, avec comme aujourd'hui quelques nuages bas dans les vallées du centre-est et des nuages qui vont revenir cette fois-ci par les frontières du nord et par celles de l'est, déjà accompagnés d'un peu de neige du côté des Alpes suisses. Et vous notez également la bise qui va souffler sur la moitié nord et qui va perdurer en cours d'après-midi, avec un ciel de plus en plus encombré sur le nord et sur l'est, quelques chutes de neige du côté des reliefs de l'est et puis des pluies qui vont remonter du Languedoc et du Roussillon vers les Cévennes avec de la neige à partir de 900 mètres, de la neige aussi pour la montagne Corse avec beaucoup de pluie sur la partie est de l'île et finalement ça restera très ensoleillé dans l'ouest. Côté température pour votre lundi matin, valeur très hivernale, souvent entre moins 3 et plus 1 au petit matin avec donc de très nombreuses gelées et l'après-midi des températures dignes d'un mois de janvier sur la moitié nord, souvent pas plus de 3 à 6 degrés, ce sera un peu plus doux entre l'Aquitaine et la Méditerranée, 10 à 15 degrés au thermomètre. Attention à la soirée de lundi avec la pluie qui va remonter vers le Languedoc et surtout en cours de nuit de lundi à mardi, cette pluie va se changer en neige jusqu'en plaine en arrivant de l'Ardèche jusqu'au niveau du Jura en passant par la région lyonnaise où on pourrait avoir 1 à 3 cm en plaine d'ici à mardi matin. On aura également quelques flocons qui vont tomber jusqu'en plaine de la Bourgogne jusqu'à l'île de France et là aussi ça pourrait localement blanchir les sols avec une toute petite couche d'ici à la matinée de mardi. On retrouvera encore quelques flocons pour la journée de mardi entre l'île de France, la Picardie et la Haute-Normandie. Là aussi, peut-être un petit saupoudrage par endroit. Ce sera plutôt de la pluie dans le sud et dans l'est. De belles éclaircies pour la Dordogne et qui reviendront également par les frontières du nord et celles de l'est. Les températures toujours bien hivernales, notamment sur la moitié nord, avec pas plus de 3 à 6 degrés en règle générale. À partir de mercredi, la situation va commencer à changer. Un temps qui sera humide sur les régions du sud-est. Ailleurs, un ciel plutôt changeant, avec peu ou pas de précipitations à prévoir. Et les températures vont commencer à remonter, notamment au sud où on attend 10 à 15 degrés l'après-midi, jusque 17 encore, ça restera plus froid sur les régions du nord. Pour jeudi et pour vendredi, un temps plutôt lumineux pour la journée de jeudi. Vendredi, ça sera variable avec des pluies qui vont remonter sur le quart sud-est, de la neige prévue dans les Alpes. Les températures vont continuer de remonter. Elles seront cette fois-ci dignes de la saison, voire même un peu supérieures sur les régions les plus au sud. Et puis pour le week-end prochain, ça s'annonce plutôt mitigé avec un ciel changeant, un risque d'averse qui concernera principalement les régions du sud-est et celles bordant l'océan, le tout avec des températures finalement assez proches des normales de saison. On en reparlera demain, nous serons le lundi 19 novembre et nous fêterons les Tanguy. Bonne soirée à tous et à demain.